Merci, Manuel Alex, pour cet accueil chaleureux. Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de vous voir ici, dignitaires, mais surtout Montréalais et visiteurs. I can't help but be in this beautiful day. And by the way, if you're a visitor to Montreal, every day is like this, so come back in January. You'll love it as well. Welcome to Montreal. Welcome to a celebration of our city. A celebration that traces back 375 years since Montreal's founding, but that traces back a millennia of this island being meeting place for First Nations, for Indigenous peoples who built lives, loved, lost, fought, celebrated, and built a stronger future for their communities and themselves. Over the past 375 years, we have grown together. We have made many errors. We carry the scars, but part of being an open, modern, vibrant city is recognizing the errors of the past and building always together for a brighter future. And that's what we do hand in hand in true partnership with Indigenous peoples across this country. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour célébrer Montréal, non seulement en tant que Premier ministre, mais surtout en tant que fier député de Montréal et Montréalais. Vous savez, c'est ici à Montréal que j'ai grandi. C'est sur la rue Roy que j'ai acheté mon premier appart. Sur la rue Saint-Laurent, que j'ai croisé la femme qui changera ma vie. Et d'ailleurs, on a célébré notre mariage à quelques coins de rue. Et c'est dans un stationnement d'un supermarché dans Parc Extension que j'ai commencé ma carrière politique. Lorsque j'avais 13 ans, j'ai quitté Ottawa pour venir découvrir mon chez-moi comme des millions de personnes l'ont fait au cours des 375 dernières années. Et c'est donc un plaisir d'avoir la chance de célébrer ici à Montréal avec vous tous. Montréal est l'une des plus grandes villes francophones au monde, une plaque tournante de l'économie canadienne et un centre culturel qui rayonne sur la scène internationale. C'est aussi un endroit véritablement et fièrement multiculturel. Si vous allez dans mon comté, le magnifique comté de Papineau, vous pouvez facilement voyager aux quatre coins du monde en allant d'un quartier à l'autre. Aujourd'hui, Montréal est une métropole métissée et ouverte. Ses racines francophones, ses origines autochtones, ses contributions de différentes communautés et des gens venus de partout dans le monde pour y vivre en font une ville unique en son genre. Chacun est libre d'être soi-même et de s'épanouir dans une ville qui nous appartient tous parce que nous savons que notre diversité est effectivement notre plus grande force. Nous avons choisi non seulement de vivre ensemble, mais de réussir ensemble. Autochtones, francophones, anglophones, gens provenant de partout dans le monde, parlant différentes langues et pratiquant différentes religions, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, et de toute orientation et d'identité sexuelle, ce que nous soulignons aujourd'hui, la journée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est ce qui fait de Montréal un exemple de société pluraliste pour le reste du monde. Nous, Montréalais, on comprend bien que les identités s'ajoutent. On peut être fier Québécois, fier Montréalais, fier Canadien sans aucune contradiction. On peut être Montréalais d'origine portugaise, grecque, anglaise. On peut être d'origine de tous les coins de cette planète. Et encore, cette identité montréalaise nous rassemble, nous identifie et nous donne une fierté si grande, ici et partout dans le monde.
C'est ce qui fait de Montréal une ville audacieuse et ambitieuse, affirmée et fière. Une ville à part. We are here today to pay tribute to the founders of this city, Paul de Chomedy de Maisonneuve and Jeanne Mance, who decided to establish their colony on land whose importance had already been recognized by the Oshawaga people. It is because of their work, as well as the efforts of the settlers and Indigenous peoples who joined them, that Montreal took its first steps as a city. Pouvait-il s'imaginer que cette petite colonie française à la survie incertaine deviendrait la métropole que nous connaissons aujourd'hui? Il l'espérait peut-être, et il serait fier de constater qu'ensemble, nous poursuivons leur projet ambitieux. Et si le Montréal d'aujourd'hui est très différent du Ville-Marie d'autrefois, il repose toujours sur une communauté forte, basée sur des valeurs de partage et d'entraide, comme nous l'avons encore constaté durant ces terribles récentes inondations. Ce sont ces mêmes valeurs qui assureront à Montréal, ma ville, notre ville, sa réussite pour des siècles et des siècles à venir. Merci à vous tous. Bonne fête, Montréal!